premier, c'est ça, c'est opportunité versus ressources. Et que j'ai illustré par cette petite phrase et par cette définition de Ward Simonson. Il veut dire par là qu'il met effectivement en opposition l'entrepreneur avec ce qu'il appelle le gestionnaire. Et si moi j'utilise mes propres mots, je dis globalement, il faut savoir vendre avant d'acheter. Parce que l'entrepreneur, il va avoir tendance, effectivement, ben, comme vous le disiez tout à l'heure, à se lancer, à faire le deal. Hein. Puis après, il va se dire, bon, comment je vais faire maintenant que j'ai fait le deal, hein, où je vais aller chercher l'argent, où je vais aller chercher les ressources, etc. Et le gestionnaire, lui, va plutôt avoir tendance à se dire, non, je ne vais pas faire le deal. Je n'ai pas d'argent, j'ai les enfants, j'ai le crédit, je n'ai pas les ressources, je ne peux pas le faire. Donc, il ne va pas le faire. Voilà cette opposition et voilà ce qu'essaye, en tout cas, dans cette petite phrase, cette définition d'expliquer Stevenson. J'essaye de dire, en changeant ces trois petits mots, c'est de dire que pour moi en tout cas, c'est ce que j'ai pu constater, et j'espère que ça le sera pour vous si vous entreprenez, bah, je trouve que créer son entreprise, c'est encore un des derniers grands terrains d'aventure qui nous reste à nous, les hommes. Il n'y a plus beaucoup de grands territoires à défricher, à découvrir, de grands sommets à conquérir. Et je trouve que l'entreprise, en tout cas, est ce terrain d'aventure.